Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir la sécurité sur DVWA par rapport aux injections de fichiers, donc upload de fichiers. On va essayer de bypass la sécurité et d'exécuter des choses à distance directement sur la machine. Comme à chaque fois, si vous ne savez pas comment installer WA, DVWA ou ce que c'est, je vous invite à aller voir ma toute première vidéo. Alors ici, je pense qu'on va faire. On va partir du principe que je vais mettre toutes les vidéos ensemble. C'est-à-dire que les trois niveaux de difficulté, low, medium et high, je vais les faire dans une seule vidéo. Alors je ne sais pas si ce sera tout le temps comme ça, mais pour celle-là en tout cas oui, parce que ça ira assez vite. Et ça prend quand même pas mal de temps. Enfin, je veux dire, la série dure depuis pas mal de temps, donc il faudrait peut-être passer à autre chose. Donc, je pense que je vais tout inclure en même temps. Donc on commence avec le low. On se met en low, ça a bien été mis. File upload. Donc là, le but, ça va être quoi? Ça va être de réussir à upload un fichier. Alors là, en l'occurrence, il me demande d'upload une image. Mais on va partir du principe qu'on ne va pas vouloir upload une image, on va vouloir upload quelque chose pour exécuter des commandes. Si on regarde le code source, à quoi il correspond? Il est assez rapide, assez court. Il check s'il y a upload qui a été envoyé par méthode post. Donc ça, en fait, c'est quand on clique sur upload. Si c'est le cas, il va regarder le chemin d'accès. Il va le setup en étant un cable upload. Il va récupérer le nom de mon fichier qui est uploadé. Et il va le mettre au bout du coup. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va prendre un nom temporaire et il va le déplacer à l'endroit. Not move uploaded file. Alors je ne sais plus exactement si c'est ça. Can we move the file to the upload folder? Ok. Donc il va essayer de déplacer mon fichier. Et si c'est le cas, ça a été uploadé. Il nous affiche le message. Ok. Maintenant, il me dit uploader une image. Mais qu'est-ce qui se passe si on n'uploade pas une image? C'est ce qu'on va essayer de faire. Alors, cmd.php, qu'est-ce que c'est? Si on regarde ici, alors lui, ce sera pour plus tard. Si je fais 4 cmd.php. Dedans, j'ai simplement une exécution de commande, donc ça va prendre le paramètre CMD et ça va exécuter, donc avec la commande système, ça va exécuter ce que je lui passe en paramètre. Donc je mets CMD, j'upload. Apparemment, ça a été uploadé correctement. Et là, ensuite, on se rend là-dessus. Hop, sur l'URL. On y accède. Donc là, ça met erreur, machin, ok. Mais si je tape une commande, CMD, par exemple, est égal à ID. Hop, j'ai bien mon ID qui a été exécuté. Donc là, on a réussi à faire en sorte d'upload un script PHP, enfin un fichier PHP, du code PHP, alors que de base, il attendait une image. Mais comme il n'y avait aucune protection par rapport au code, eh ben, on a pu upload ce qu'on voulait. Ok, ça c'était la première étape. Maintenant, on se rend en mode medium. Hop, le security level set to medium. On retourne dans notre file upload. Et cette fois-ci, si on regarde le code source, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des choses un peu plus poussées. Alors, le début et la fin restent identiques. Ça, on n'y touche pas. Ça, on n'y touche pas. Mais là, il va récupérer des informations sur le fichier. Le nom, le type et la taille. Et en fait, il va regarder si la taille est inférieure à 100 000 octets. Et que le type de l'image c'est image JPEG ou image PNG, eh ben on va pouvoir l'uploader. Donc ça, le type d'image, comment est-ce qu'on va le modifier? On va utiliser Bird Shoot pour pouvoir intercepter la requête et modifier à la volée. Si du coup, alors je vais modifier pour vous montrer que donc je vais copier cmd.php en cmd-medium.php. Hop. En fait, il contient la même chose, mais c'est pour vous montrer que je réuploade bien un nouveau fichier. Donc, on va faire browse, cmd medium. Ici, on met bien notre Foxy Proxy ou alors dans vos paramètres Firefox pour intercepter la connexion, enfin intercepter la requête. Donc, on va setup un proxy web burp sur le 127.0.0.1 pour 80.80. On se lance sur notre burp, on se met en mode interception. On upload, on intercepte, on fait un CTRL-R ou clic droit, send to repeater pour l'envoyer au repeater. À quoi ça sert? Je vais drop là, hop, comme ça. Là, je vais retourner là-dessus. À quoi ça sert? Simplement
pour qu'ensuite, dans le repeater, on puisse faire plusieurs commandes comme ça directement, sans qu'on ait besoin de refaire la requête, cliquer, machin. Là, c'est on rejoue les requêtes en fait. Donc tout ça ne nous intéresse pas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est alors max file size. Ça, c'est le 100 000 qu'on avait vu. Ici, on voit le nom du fichier. OK. Et ici, on voit le content type. On se rappelle que dans le code source, alors j'ai enlevé le truc, mais si on retourne dans le code source, on se souvient qu'il checkait que l'upload, le type d'upload, ça devait être image JPEG ou image PNG. Donc, on en prend un des deux. Et si je retourne ici, on peut voir que moi, de base, c'est application PHP, parce qu'en fait, c'est du code PHP. Mais rien ne m'empêche de modifier application PHP et lui dire, en fait, maintenant, c'est une image. Donc le serveur va considérer ça comme étant une image, mais derrière c'est encore du point PHP, et dedans il contient du code PHP. Ok, on fait send, on descend, on va voir le message qu'il nous envoie. CMD Medium successfully uploaded. Ok, donc on retourne là-dessus, on va récupérer le chemin d'accès, donc à cable, hop, je le mets, CMD Medium. Donc là on voit bien que c'est le medium qui a été uploadé. J'ai toujours le message d'erreur. Si je fais CMD est égal à ID, hop, j'ai de nouveau réussi à exécuter des commandes sur le serveur, alors qu'en théorie, on était censé pouvoir uploader que des images. Donc là, il y avait une petite subtilité supplémentaire, c'est que le code source vérifiait le type de l'image uploadée, que c'était bien image JPEG ou image PNG, mais on a modifié ça à la volée pour que ça corresponde, même si on avait un point PHP derrière. Ok. Maintenant, on va passer au mode difficile. Donc, on retourne ici dans la sécurité, on met en mode high. Submit, security level set to high, on est bon. On retourne dans file upload. Et maintenant, si on regarde le code source, il va y avoir encore des sécurités supplémentaires. Voilà, donc le code, il est un petit peu plus long. Ça, on ne bouge pas. Ça, c'est toujours la même. Alors là, cette fois-ci, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a été rajouté au niveau de l'extension. C'est-à-dire que on va exploser l'extension à la fin pour récupérer que le dernier. C'est-à-dire que si on fait un point PHP, ensuite derrière, donc si on fait par exemple shell.php, ça va récupérer le point PHP, et ensuite ça va vérifier. Est-ce que l'extension qu'on a récupérée, donc le PHP, est-ce que c'est égal à JPEG, enfin JPG, ou JPEG ou PNG? Si ce n'est pas le cas, alors c'est que on n'a pas upload le bon type de fichier et c'est pas bon. Ok. Si on veut gruger en mettant par exemple un point JPEG, point PHP, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que point JPEG, en théorie, ok, l'extension est bonne, mais derrière, il y a un point PHP. Et ici, ça, à chaque fois, ça va prendre la dernière extension qu'on a mis dans le fichier. Donc point JPEG, point PHP, ça va quand même prendre le PHP. Il va le vérifier, ça va pas être bon. Si on prend point PHP, point JPEG, ça va fonctionner. Parce que JPEG, ça correspondra à ça, donc on est bon. Mais le point PHP, en fait, ça sert à rien de le mettre. Donc ça prend vraiment que la toute dernière extension, donc il va falloir bypass ça. Okay. Mais vous voyez qu'ici, maintenant, il check plus comment s'appelle, le type d'upload. Là, c'est que l'extension qu'on check. Donc le type d'upload, ça peut être de nouveau être application XPHP. Et dans ce cas-là, ça risque de poser problème. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va pouvoir essayer, par exemple, ici. Hop, CP CMD, bah juste CMD.php en CMDI.par exemple PNG. Donc là, le point PNG, c'est l'extension, mais si on affiche son contenu, CMDI.png, ça reste un fichier PHP. Si je fais un file dessus, donc CMDI, il dit que c'est quand même un fichier PHP, même si ça a changé de couleur et c'est considéré. Oh non. Même si ça change de couleur et que c'est considéré comme étant une image. Ok. Maintenant, si on tente de l'upload, qu'est-ce qui va se passer? Je sélectionne mon i.png qui est considéré comme une image, en tout cas grâce à l'extension. On va se mettre en mode interception et on l'upload. Hop, on va envoyer ça dans le repeater. Je vais drop pour que ce soit le clean. Repeater, ok. Donc là, on a bien notre cmdhigh.png. C'est considéré comme étant une image, mais nous, on veut que ce soit exécuté. Donc potentiellement, ça, en fait, on va le modifier. On va mettre que c'est une application de XPHP. Voilà, donc là, c'est de type PHP.
FileName, c'est bien du .png. Donc on va réussir à bypass la sécurité qui vérifie que c'est bien l'extension JPEG, enfin JPG, JPEG ou PNG. Nous, ce sera PNG, je veux dire. Donc, on va pouvoir bypasser. Ok. Maintenant, donc, je suis ici, je tente de l'upload. Est-ce que ça a réussi à upload? On va voir ça. Your image was not uploaded. We only accept JPEG or PNG image. C'est pas passé. Ok. Pourquoi? Parce que. Alors, je vérifie que je suis quand même en high et pas en. Ouais, je suis en high. Donc là, c'est pas passé. Parce que l'application. Donc, on a bien mis du point PNG. Mais derrière, c'est pas une vraie image. Mince. Derrière, c'est pas une vraie image. Du coup, en fait, juste le script PHP, c'est pas passé. Donc, c'est pour ça que, en fait, j'ai pris une image réelle sur Internet. Et je l'ai un petit peu modifié. Et si on va voir le contenu de shell.jpg, au début, c'est des trucs aléatoires. Enfin, pas des trucs aléatoires, mais c'est les fameux magic bytes. Ça, c'est le magic byte d'une image JPEG. Qu'est-ce que le magic byte? En fait, ce sont des octets au début qui définissent le type de l'image. Si on va voir ici magic bytes. Non, voilà, donc sur Wikipédia, il y a une liste des signatures qui sont connues. Et si on va voir notre truc GIF, alors c'était quoi le nom? C'était. C'était. Ouais, GIFIF. Donc si on va voir notre GIFIF, ici. Donc, voilà. Ici, on peut voir que ça commence par une sorte de YOYA GIFIF. Si on va voir dessus, alors là, c'est pas affiché. Mais si on fait un cat de shell et qu'on passe à XXD, je crois que c'est -r, non pas de -r, juste comme ça, on va voir au début de notre fichier, c'est du FFD8 FFE0, et là ça commence par FFD8 FFE0, et après on a un 010 4A46. 010 4A46, voilà, donc ça c'est les magic bytes, et ça veut dire que c'est bien une image qui est considérée comme un JPG ou un JPEG. Maintenant qu'on a ça, on avait vu qu'au fond, tout à la fin, donc ça c'est uniquement pour bypass le fait que ça détecte que ce soit une image. Et à la fin, on va quand même mettre notre script, enfin notre code PHP qui doit être exécuté. Donc, si on retourne ici, qu'on veut upload de nouveau notre shell.jpg, on va le mettre, on va se mettre en mode proxy encore pour intercepter, pour voir un peu à quoi ça ressemble, upload, hop, ici, on voit bien qu'on a notre shell.jpg, on a bien notre image, on a bien ceci, et du coup, ici, si on modifie, est-ce que ça va passer? Quelle est la question? XPHP, on forward, et on voit que ça a bien été uploadé. Donc là, on a bien uploadé notre shell.jpg avec de type application PHP, et on va essayer de voir si ça l'exécute ou pas. Hop, on revient ici, on modifie pour aller dans notre shell JPG, et là on a une image en fait qui s'affiche. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, même si on fait cmd est égal à id, bah il va rien se passer parce qu'en fait c'est une image qui existe à moitié, mais c'est quand même considéré comme une image. Et en fait, pour bypass cette protection, on va devoir quand même utiliser une autre faille du système, enfin une autre faille sur le site web pour pouvoir lire cette image. Et en fait, on va utiliser la file inclusion. On va utiliser une LFI, parce qu'en fait, le problème, c'est que là, quand on va dessus, ça, c'est considéré comme étant une image. Du coup, en fait, on va lire le point JPG, et ça va nous afficher comme étant une image. Sauf que derrière, on a du code PHP qui tourne, mais là, c'est quand même considéré comme une image et c'est pas exécuté. Alors que le file inclusion, on va inclure du PHP dedans. Enfin, on va include l'image dans du code PHP. Et comme on a du code PHP à la fin, on va pouvoir l'exécuter. Donc, alors là, pour ce faire, c'est un peu chiant, mais faux. Donc, file inclusion, on va repasser la sécurité en low. On va aller dans file inclusion. Alors, là, on a quand même réussi à uploader quelque chose en high. Donc là, si on met en low, ça correspond plus à la vulnérabilité upload. Maintenant, ça correspond à l'inclusion. Donc si on va là-dessus, file, en fait, on va revenir en arrière. Donc là, on est dans LFI,
pas l'inclusion. On revient, je sais plus de, à combien on revient en arrière. On revient, alors attendez que je regarde mes notes parce que ça ira plus vite. On revient de 4. Oups. On revient de 4. Donc 2, 3, 4. Voilà. Et ensuite, bah, on appelle ce qu'on vient d'upload. Donc a cable, machin. Et je vais me mettre en cmd.id. Hop. Donc là, on a une erreur. Apparemment, c'est pas passé. Si on regarde le code source, si on cherche 3W data, il n'y est pas, d'accord. Donc, page LFI. Peut-être qu'il faut moins revenir en arrière. Non plus. Non plus. Alors, je vais juste faire comme ça. Ok. Undefined caractère. Donc là, on voit pas ce qui se passe. Et si je fais cmd est égal à ID, je regarde le code source. Hop, 3W data, ça fonctionne toujours pas. Alors pourquoi? Je sais pas. Je vais regarder de mon côté et je reviens vers vous une fois que c'est bon. Ok, me revoilà. Alors en fait, qu'est-ce qui passait pas? C'est que, alors, vous voyez que j'ai renommé. Alors, je vais vous montrer. Donc on se rappelle que dans shell.jpg, hop, j'avais ceci. Alors non, j'avais pas tout à fait ça, mais j'avais ce type de fichier-là, sauf que j'avais système. En fait, j'avais la même chose que ce qui était dans CMD. Voilà, j'avais ça dedans, à la place de ça. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, quand on met dans le paramètre CMD est égal à quelque chose, ben en fait, dans l'inclusion, il prend tout le chemin du fichier. C'est-à-dire que ça existe, mais si on rajoute quelque chose derrière, il croit qu'en fait, le nom du fichier, c'est tout ça. Et du coup, il ne le trouve plus. Donc en fait, au lieu de faire ça, on va directement faire en sorte. Donc j'en ai créé un nouveau qui s'appelle cmdi.png. Alors non, c'était pas celui-là, si. Non, c'était .jpeg. C'était .jpeg. Alors, attendez. Hop. Donc voilà, j'ai créé celui-là, mais dedans, j'ai mis qu'en fait, on exécutait la commande ID. Je l'ai re-upload, et ensuite, j'ai pu y accéder directement ici, comme ça, via la LFI. Et on peut voir qu'ici, on a le code qui est bien exécuté. Alors, c'est un peu plus chiant et ça nécessite d'avoir une autre vulnérabilité de type File Inclusion sur le site pour réussir. Mais on a quand même réussi à bypasser ça. Si on regardait au niveau de la difficulté, donc là, je me remets en high. Au niveau de l'upload, si on regardait l'aide, qu'est-ce qu'il nous disait? Alors, affiche-toi, LED, voilà. Il nous disait, donc low level, medium high, need to link in another vulnerability, such a file. Voilà, donc en fait, on est obligé quand même de lire la chose via une autre vulnérabilité, comme par exemple l'inclusion, pour réussir à lire le point JPEG et à l'exécuter. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine. Allez, bye bye.